Aujourd'hui, on se retrouve pour un haul, toilette haul, Chine, globalement, curvy, et bien ou pas bien, et ben, on en discute également. Si vous êtes prêts, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, le moral, la hype, la santé. C'est le principal, et si vous avez des coups de mou, vous y avez droit, mais attention, remontez vite en tout cas. Moi, je suis très, très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va être des vêtements que j'ai achetés sur Chine pour ma fille, spécialement curvy. Il y a juste une chose qui est pour moi et en plus qui n'est même pas de saison. Et je vais vous montrer tout ça. Alors, le bon, le pas bon. Hein. Souvent, on dit, oh là là, Chine, oui, je sais. T'es mou, oula, je sais. Oui, effectivement. Il y a toujours des personnes qui vont dire ou qui prennent parti. Moi, je ne vais plus sur ce genre de site parce que voilà, il y a plein de polémiques derrière. Il y en a sur H&M, il y en a sur beaucoup, beaucoup de sites. Je suis mais d'accord, entièrement d'accord. Seulement, j'ai deux avis. J'ai le côté humain et je me dis effectivement, c'est pas ouf. La main-d'œuvre et c'est triste et je n'ai pas envie de, comment dire, d'adhérer, d'encourager ça par mes achats. Mais il y a, sachez-le, dans beaucoup de magasins, boutiques où vous allez, eh ben, vos vêtements, made in China. Et derrière, vous ne savez pas du tout. Et c'est pareil, c'est de la main-d'œuvre qui vient de là-bas. Alors oui, Chine, c'est un grand pont, c'est... Oui, on en parle, comme Temu la dernière fois, bah, c'est des chinoiseries, c'est des choses comme ça, je suis d'accord. Mais il y a une question de prix aussi. Il y a une question de prix et aujourd'hui, on a envie de se faire plaisir. On n'a pas, comme je vous l'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente Temu, on n'a pas envie de faire que boulot, métro, dodo et de rien prendre. Moi, dans mon cas ici, et je ne m'en dédouane pas, j'achète aussi mes vêtements et mon maquillage Chiglam parce qu'ils ont d'excellentes qualités. On ne peut pas le nier non plus. On peut payer une paire de baskets. Vous savez, les paires de baskets, je ne veux pas dire des marques, mais à 300 euros, vous savez où c'est fait? En Inde. Et en Inde, vous ne pensez pas que c'est la même chose? Enfin, voilà. Alors, le pour, le contre, je comprends, j'adhère, je suis d'accord. Moi, là, je suis aussi contente que Chine font du curvy. Du curvy, c'est top, voilà, parce que c'est pas simple de trouver du curvy grande taille à des petits prix, surtout qu'en plus le but de mes achats ici, c'est que ma fille maigrisse. Alors, elle va certainement vous faire des essayages, souvent je vous ai dit que je faisais à sa place, mais là ça va être un petit peu compliqué, parce que en un an, pile poil, là je viens, ma fille a pris pas loin de 23 kilos. Et j'en suis attristée. Pas que j'aime pas ma fille. Vous savez à quel point j'aime ma fille de tout mon cœur. Les personnes qui sont fortes ou filiformes ou peu importe, on est comme on est. La body attitude positive, la body positivité, je le prône. On a le corps que l'on a. On a la morphologie que l'on a. C'est pareil. C'est dur pour quelqu'un qui est fort ou qui est trop maigre d'avoir le regard des autres, surtout à cette époque-là où il y a les maillots de bain, où il y a les choses comme ça. Ma fille, elle a pris 25 kilos. Je l'aime telle qu'elle est. C'est pas le fait qu'elle soit ronde qui me dérange. Moi, c'est son côté santé. Parce que depuis décembre, je morfle. Hein. Sur tous les plans en ce moment, c'est catastrophique. Mais là, je m'inquiète parce que des fois, elle a des douleurs musculaires, des douleurs dans les jambes au point où elle n'arrive plus à marcher correctement tellement qu'elle a mal. Elle a pris de la poitrine, elle a des maux de dos qui sont énormes. Elle est essoufflée. Et après, bon, même si elle est jeune, eh ben, il peut y avoir bah, tout ce qui va, le cholestérol, le diabète et ainsi de suite, tout ce qui peut coller avec. Moi, c'est le côté santé qui m'inquiète. Et puis son côté aussi, elle s'aime plus. 95% de son armoire ne lui va plus. Ça me rend triste quand je la vois pleurer devant et c'est dur de... Alors, ça a été presque facile de prendre ses kilos, mais je me dis comment je vais arriver à lui faire perdre. Et ça ne va pas être simple. Mais en attendant, je me suis dit, voilà, j'ai envie de lui prendre quelques vêtements pour qu'elle s'habille, pour qu'elle se sente à l'aise, pour qu'elle puisse se plaire.
Voilà, parce que des fois, là, bah, comme tous les jeunes, ils ont des soirées, des teufs entre potes et tout. Et elle met toujours presque la même chose. Et j'ai envie des fois de la voir belle aussi. Et je vois que ses vêtements d'avant ne lui vont plus trop. Alors le but, voilà, encore sur Shein, c'est de payer aussi un petit peu, pas grand-chose, pour, dans la perspective, qu'elle puisse perdre, je n'en demande pas tout de suite tant, mais un petit kilo par mois, ce serait bien. Voilà, donc j'ai assez blablaté. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donnez-moi vos avis. Vous pouvez avoir des avis divergents avec les miens, ce qui est tout à fait logique. Dans la bienveillance, vous pouvez vous exprimer et j'en suis ravie de pouvoir échanger avec vous. Sachez-le. Donc voilà, bon, allez, sans plus tarder, je vous Viens montre d'aller les élèves sur d'achat. cette vidéo que je n'étais pas trop saoulée jusqu'à maintenant sur mon intro qui a duré trois. Sache que je blablate déjà beaucoup. Voilà. Et si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner, à poser ton petit pouce bleu si tu veux m'encourager, me soutenir et si tu veux qu'on soit de plus en plus nombreux. Et je suis ravie et je vous remercie d'être là légèrement, de plus en plus nombreux. C'est juste topissime. Et ben voilà. N'hésite pas. C'est tout là et ça me fait plaisir. Allez. On commence par un grand sac. Mais vraiment, pour là, pour le coup, c'est un grand, grand sac. Donc, juste pour un soutien-gorge. Voilà. Alors, bon, je l'ai eu en promo. Voilà, c'est un soutien-gorge grande taille. Je crois que je vous indiquerai les prix ici. Alors, ce sera les prix, je les ai payés. Vous savez que comme beaucoup de sites comme AliExpress, Shein, tout ça, les prix sont très variants. Un coup, oui, sont à, là, je l'avais payé 8 euros. Peut-être qu'il est retourné à 14 euros. Peut-être qu'il est... Voilà, c'est très variant. Donc là, c'est quand même... Bon, je ne vais pas trop dire la taille. Ça me gêne de dire la taille du soutien-gorge. Voilà. Mais... Je crois que oui, 8 euros, 6 euros, je ne sais plus combien je l'ai payé. Et ben regardez, il est quand même hyper joli. Pareil au niveau qualitatif. Voilà, par contre, ce qui est toujours dommage, c'est qu'il est toujours légèrement rebourré. Quand on a des poitrines fortes, alors ça rajoute un petit plus, on va dire. Les bretelles sont hyper. Alors vous ne le verrez pas porter. Hein, voilà, elle ne va pas l'essayer, ça, par contre, vous ne le verrez pas du tout. Donc voilà, les bretelles, elles sont hyper épaisses. Hein, je pense que vous le voyez, réglables. Voilà, comme vous le voyez aussi, voilà, c'est réglable. Là, on a légèrement un peu de dentelle. Non, il est vraiment bien fait. Moi, je trouve le petit nœud assez large également. Alors oui, ça donne du volume, je ne vous cache pas. Hein, c'est assez impressionnant. Mais honnêtement, ça permet voilà, d'avoir un soutien-gorge assez fun. Et si justement il lui va, parce que là, c'est un coup d'essai. On va voir si ça passe. Si ça lui va, je lui rachèterai deux trois lingeries également parce que ben la plupart pareil de ces sous-vêtements enfin je parle de soutien-gorge lui vont plus et la poitrine elle déborde un peu sur le côté et c'est pas bon pour le maintien donc là on va faire un coup d'essai on va voir si ça match et si ça match et eh ben écoutez on y Alors, retournera le petit hein? truc pour moi qui n'est pas de saison, je vous l'accorde, mais vous savez quoi, ça fait un moment que je lampe dessus et je l'avais mis dans les favoris. Et là, au lieu de 18 euros, je crois qu'il était à 10,40 euros. Je me suis dit, allez, même là, il fait 40 degrés, 35 degrés, peu importe, je le prends. Il me servira quoi qu'il arrive. Par contre, au moment où je vais l'essayer pour vous le montrer, je vais en baver. Là, j'essaie de tourner mes vidéos en fin de journée parce que j'en peux plus. Parce qu'il fait hyper chaud. Mais voilà. Mais sinon, voilà à quoi ça ressemble. Alors oui, déjà. Bon, alors ça, vous allez me dire, c'est un petit débardeur, lainage que je peux éventuellement mettre pour maintenant. Alors, c'est en taille. C'est en taille, c'est en taille. Je crois que j'ai pris en taille L parce que le M et le S étaient plus là. Et je le voulais tellement que je me suis dit, bon, c'est pas bien grave. Ouais, c'est un taillet. Donc, regardez, il est écru comme ça. Il a les torsades. Il est assez épais. Franchement, pareil, encore une fois, au niveau matière, il n'y a pas d'odeur du tout. Franchement, il est assez sympa. J'aime beaucoup. Mais effectivement, c'est fait pour l'hiver parce que il est avec ceci. C'est pas une écharpe. Du tout, du tout. C'est le haut. Et en fait... Donc là, hop, je mets le col comme ça, c'est en deux pièces. Et là, j'ai les manches qui vont venir arriver, vous voyez, on voit la fin, qui va arriver sur les bretelles du débardeur. Et il est assez épais, quoi. Franchement,
Voilà, ça fait un moment que je le voyais, que je lorgnais dessus. Alors, c'est vrai que là, ça ne dit pas grand-chose, hein, mais je vais vous montrer ça. Mais vu qu'il y avait cette réduction de prix, ah, j'ai dit, ah, je prends, je suis happy de l'avoir. Nous pouvons observer. Non, oh. Mais c'est bon. Alors, ça, c'est le petit pull que je vous avais montré. Alors, effectivement, c'est pas trop de saison encore. Donc là, on a le petit débardeur. Donc, il est vachement, comment dire, il faut vraiment prendre sa taille. Hein. Il ne faut pas prendre plus petit. Je vous avais dit, j'ai pris du L. Et oui, là, ça fait trop, trop canon. J'ai les manches torsadées. La matière, elle est hyper quali. On est super bien dedans. Ça ne gratte pas. Comme je vous avais dit, il n'y a pas. Après, il y a ceci. Alors là, c'est tout pour ma fille maintenant. Et quelle que soit la forme que l'on a, soyez belle. Faites-vous plaisir. Habillez-vous pour pas cher. Mais voilà, vous avez, faut pas vous priver, il faut pas avoir honte, il faut pas faire attention au regard des autres. Il faut faire attention à vous et à votre bonheur et à votre bien-être. Voilà, sachez-le. Donc, j'ai trouvé ça. Et j'ai trouvé ça trop mims. Alors, c'est du 1XL, voilà. Alors, c'est un... je l'ai mis pas comme il faut, je crois. Hein, voilà. Alors, c'est vrai qu'à chaque fois que je vous montre des produits, j'ai un changement de couleur d'image, mais bon. Regardez, alors là, vous avez pareil au niveau... C'est pas matière maillot de bain. Bon, par contre, là, c'est pas élastique. Alors, c'est où ça passe, où ça casse. Hein. Alors, si ça passe, tant mieux. Si ça casse, justement, on va motiver pour qu'elle puisse rentrer dedans. Peut-être que ça fera une motivation. De toute façon, on vous montre. Donc, voilà, des petites chaînettes ici. Ça fait petite jupette devant. Et en fait, c'est un short. Voilà, voilà. La fermeture éclair, c'est des fermetures éclair de merde. Excusez-moi du terme. C'est celle qui casse assez facilement, vous savez. C'est mon avis. Ceci. Voilà, je ne sais pas. Voilà, c'est mon propre avis. Je les trouve toujours hyper, hyper délicates, ces fermetures éclair. C'est hallucinant. Hallucinant. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je le trouve super mignon. Donc, voilà. En plus, pareil, hein, au niveau du prix, très, très avantageux. Donc... Vous voyez tout ça. La short, elle est vraiment canon. Elle lui va très bien. Bon, juste en allant au chiotte, elle nous a pété une lanière, là. Mais bon, vas-y, tourne-toi, voir ce que ça veut. Et regardez, ça, franchement, ça va trop bien. Ça fait super bien habillé et tout. Je m'excuse, la lumière, elle est un petit peu claquée au sol. Mais oui, franchement, ça lui va super bien. Ouais, on va se mettre tout à la lumière. Alors, je ne sais pas comment on va faire pour l'essayer, mais à mon avis, on y collera une brassière ou quoi. Donc, ce petit truc également, j'avais trouvé sur l'image, de toute façon, je vous remets les images ici, je ne sais pas s'il y aura les prix ou tout l'écran, enfin, quoi qu'il en soit, vous voyez comment c'est mis en valeur sur le site. Non, parce que c'est toujours trop, trop bien mis en valeur. On a l'impression de s'y voir et des fois, quand on reçoit, on se dit, oups, c'est pas du tout comme ça que je le voyais le truc, hein. Donc, et là, en l'occurrence, pas du tout. Alors, oui, c'est bien un haut, vous voyez, qu'on met comme ça, hein, dessus. Qui derrière, en fait, ça laisse un dos nu, comme ceci. Mais, c'est pas le problème. Le problème, il est là, regardez. C'est... Je sais qu'il y en a, ça gêne pas la transparence. Mais là, vous voyez, elle va être obligée de mettre quelque chose dessous. C'est obligé. Un soutien-gorge, non, ça va pas être possible. Ça va faire hyper moche. Des caches tétons, pas beau non plus. Donc, la solution, ça va être vite vu. Ça va être maillot de bain pour la plage, pour les vacances, pour la piscine éventuellement, pour, voilà. Ou alors, je sais pas, avec Daigne. Un... Au niveau de la taille, je crois que c'est pareil, hein, c'est du 1XL. Ouais. Alors, il y a, je crois que, je sais plus si les hauts, je les ai pris en 2XL ou 1XL, mais là, c'est marqué 1XL, donc j'ai pris en 1XL. Voilà, ceci dit, c'est parce que vous savez, quand il fait chaud, ben, ça peut être super pratique. Mais j'avais pas vu à quel point c'était transparent. Mais vous voyez alors, tout ça pour aussi. Le haut, comme je disais, il était transparent. Donc, je lui ai mis... elle a gardé sa brassière. Et comme vous pouvez voir dans le dos, bah, ça fait un dos nu. Voilà. Bon, il y a sa brassière, mais techniquement, vous voyez, c'est... Voilà, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc, mais sinon, c'est sympa. Et ça, la taille est pas mal. Ensuite, alors, vous savez, dans Chine, il y a une autre marque qui est prédominante. C'est la marque... je sais pas comment il dit, Romuel, donc c'est pas, vous voyez, c'est pas marqué Chine dessus, c'est un peu des vêtements, pas vintage, mais
ouais, assez, comment dire, gothique, un peu dans ce style-là, ce qui correspond totalement à ma fille, qui aime un peu les choses particulières. Tant mieux, elle a au moins, elle affirme ses goûts et voilà. Donc j'essaye maintenant de rentrer dedans et j'ai trouvé cette petite robe pour elle, pareil. Donc, et ils font pareil des grandes tailles et ça, mais ça lui correspond totalement. Si vous avez regardé, et n'hésitez pas à la regarder, pour son anniversaire, elle m'a fait sa commande, voilà. Et elle a pris des vêtements assez, comment dire, atypiques, mais qui sont totalement en adéquation avec elle. Et là, voyez, le haut, et ben ça ressemble, vous savez, à un pyjama qu'elle avait eu, mais qui lui va trop trop bien, ceci dit. Et j'adore l'avoir dedans. Donc, elle me fait craquer, ma fille, de toute façon, vous savez à quel point. Donc là, c'est le haut, avec la petite ficelle que l'on adapte comme l'on veut. Par contre, la matière, elle est relativement bien, bien épaisse. Hein. Elle est pas légère du tout. Ceci dit, tant mieux. Peut-être que c'est une bonne qualité. Elle n'est pas non plus... vous voyez, elle est vraiment en coton, tout ça. Donc, voilà. Là, derrière, dos nu. Et le bas de la robe, j'aime particulièrement. Je ne sais pas si vous allez voir, regardez. Hop, elle est super sympa. Un coup sur deux. Et quand ça fait plisser, bah, ça fait comme un accordéon. Enfin, bref, je trouve ça hyper sympa. Donc, écoutez, on vous montre tout ça. Dites-moi en tout cas. La robe, elle est canon. Elle est hyper légère. Ah, trop fun. Elle est hyper légère. En plus, ça lui prend bien tout. Bah, comme je vous ai dit, hein, c'est bien son style. Pourquoi t'en prenais ça? Bah, non, mais si vous ça, c'est que ça prend toute la poitrine. Et comme je vous avais dit, derrière, bah, c'est dos nu. Bon, elle a quand même plus bronzé que moi, hein, franchement. Et là, ça fait... J'aime bien le côté, le bas, comme ça fait... Bon, il y a l'étiquette, encore, il ne faudra pas oublier de l'enlever. Mais sinon, je ne sais pas ce que vous en pensez. Elle est vraiment bien. Et en plus, la matière, je pense qu'elle est... Ouais, super... Ah, dégueulasse, tu m'as lâché plein de potions. Elle est hyper légère. Voilà. Et vas-y, Mimi, aussi, fais ton truc d'essayage. Qu'est-ce que t'en penses? Hein? Donc voilà, ensuite, voilà. Il y a ceci. Alors, pareil, c'est, je crois que, ouais, c'est le short. Alors, je m'en souviens. Alors là, c'est une matière un peu sport. Donc, pareil, à XL, avec élastique. Et voilà les motifs. C'est vrai que ça peut faire peur. Hein. Si des petits-enfants, ils ont des nounours comme ça, ils auront super peur. Mais ouais, par contre, ça lui correspond totalement avec une petite paire de baskets blanches comme elle a, parce qu'elle s'est acheté deux paires de baskets blanches, donc ça lui ira super bien. Et ouais, c'est, vous savez, c'est un peu les matières vraiment un peu sport. Ceci dit, ça ressemble à un short de sport. Mais comme ça, franchement, je trouve qu'elle peut être bien à l'aise dans le style qu'elle aime. Pas épais, en plus, c'est vraiment pas épais, parce que quand je regarde comme ça, je vois à travers. Donc, écoutez, au moins, elle sera bien. Voilà, et c'est ce que j'ai envie, qu'elle soit bien et puis qu'elle puisse reprendre goût et voilà, qu'elle retrouve des vêtements et qu'elle puisse s'habiller. Mais ouais, trop kiki, mais pas du goût de tout le monde, peut-être, je l'avoue. Du short, la star arrive. Donc regardez, c'est ce que je vous ai dit. Petit nounou, c'est trop canon. Et non, et la matière, elle doit être pas mal, franchement, elle est bien. Donc, et voilà. Oh, c'est trop cute. Oh, remets-toi comme ça de face. J'adore le côté nounours. Ah, c'est trop mimes. Franchement, je kiffe. Ensuite, encore un petit haut. Hop, comme ceci. Alors, oula, petite étiquette qu'on a là. Voilà, voilà. Voilà le petit truc. Donc, c'est froncé. Vous voyez, là, par contre, c'est pas réglable du tout. Hein, là. Mais c'est élastique. Voilà. Boing, c'est élastique. Mais pas du tout réglable. Donc, la matière, par contre, là, on retrouve le côté un petit peu matière, maillot de bain. Froncé ici, j'espère que ça va aller. Oh, j'espère vraiment. Non, il y a une légère odeur sur celui-ci. Les autres, j'ai rien senti, mais voilà. Là, froncé avec un petit nœud. Franchement, j'y trouve trop mime. C'est trop girly avec des petits cœurs. Alors, je pense que vous voyez la matière, là, ce que ça donne. Voilà, et ça, c'est pareil. Ça, c'est léger, hein. Remarquez, c'est une matière qui est légère, mais... Le défaut qu'on pourra trouver, c'est que si on transpire, bah, ça colle. Voilà, voilà, c'est tout. C'est le défaut de ce truc. Sinon, on est très très bien dedans. Mais dites-moi, voilà, qu'est-ce que vous en dites? Je vous montre. Le pied froncé, regardez, il prend vraiment toute la poitrine. Et franchement, il est sympa. Bon, comme je vous ai dit, c'était une matière un peu piscine. Après, là, vous voyez, c'est vachement. Ah! C'est à foufou et derrière, bah, ça prend tout. Bon, il y a toujours la brassière qui reste.
Mais franchement, je l'aime bien avec une petite jupe ou un petit short et tout. Franchement, c'est canon. Ouais, j'aime bien. Et puis, vous voyez, ça prend bien. Après, là, on peut resserrer. Ce dernier truc, donc je sais ce que c'est un pantalon un peu style jog, pareil, assez particulier, mais elle a deux pantalons qui est assez, ça faisait longtemps, et bon voilà, bref, il a craqué, on va pas rentrer dans les détails, et c'est pareil, ça m'embête à chaque fois quand elle n'en a pas, et puis c'est vrai que des fois ça peut faire les coups de frais, et puis ça peut servir pour l'automne, enfin bref, c'est assez sympa. Pareil, c'est encore une matière un peu sport. C'est pareil, c'est quelle taille ça? J'ai pris un XL. Ouais, ça c'est... Voilà, chine, curvy, vous voyez, c'est bien marqué, curvy. Ça, c'est vraiment bien. Je trouve que c'est un truc top, on n'en trouve pas partout. Du curvy mode en plus, du tendance. Et à des prix abordables. Je crois que pour toute la commande, avec mon pull, j'en ai eu pour même pas 50 euros. Donc, sérieux, voilà, c'est comme pour vous, il y a toujours des codes promo. Donc, et je regarde les jours où les livraisons sont gratuites. Donc, généralement, mercredi, dimanche, dans ces eaux-là. Donc, je regarde, si je vois frais de port, j'abandonne et j'y retourne le lendemain. Donc, voilà, petite astuce aussi. Donc, voilà le pantalon de jog. Donc, pareil, comme je vous ai dit, matière un peu sport. Regardez, c'est franc, voilà. Et puis là, le dessin comme ceci. Hop, voilà. Assez franchement sympa. Et pareil, le bas, il est retroussé. Enfin, retroussé. Il est... oui, c'est ça, il est... Bah, vous savez quoi? Ça arrive des trous de mémoire. Oui, voilà. Il est retroussé, mais... non, c'est pas ça? À la cheville. Hein? C'est plus simple. Et je sais pas, il n'y a pas un petit fifil? Ah non. Non, non. Il n'y a pas de... Vous savez, je pensais qu'il y avait une petite fifil, un petit fifil pour serrer à la taille. Non, il n'y a que Nenny. Donc, voilà. Bon, après, élastique, ça devrait le faire. Et pareil, quand je regarde, je vois à travers, donc léger et pareil, élastique. Donc, voilà, voilà. Voilà pour le pantalon, j'adore. Pareil, je vous avais expliqué que c'était une matière un peu sport. Donc, comme vous pouvez voir, les incrustations, elles sont trop fun. Franchement, il est bien. Et comme je vous ai dit, il est resserré en plus au niveau des chevilles. Et ouais, non, mais il taille vraiment bien. En plus, il est élastique. Ouais, ça... Elle fait la con, mais elle se fiche de moi. En plus, non, mais c'est en plus, il va trop bien. Ça te fait un joli petit cul là. Allez, non, et puis en plus, ouais, il est même s'il n'y a pas de lanière ici, bah franchement, il taille super bien. Et bah voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère que bah, ça vous a plu. Que je n'hésitez pas à marquer vos commentaires. Quelle que soit votre morphologie, comment vous êtes et tout, regardez que vous. Et faites-vous plaisir, soyez belle. De toute façon, déjà, vous êtes toutes belles au naturel. Hein, ça. Et quoi qu'il en soit, vous êtes toutes belles à l'intérieur. Mais sachez que vous pouvez, à des petits prix, vous faire plaisir. C'est ce que je voulais vous dire. Et j'espère que ma fille sera ravie. Voilà, surtout ça. Et qu'elle va être contente. C'est le plus important. En tout cas... Comme je vous l'ai dit, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. J'espère également que cette vidéo vous aura plu. Si tel est le cas, voilà, ça fait hyper, hyper plaisir. Prenez soin de vous, prenez soin de ce que vous aimez. Profitez, riez, chantez, dansez. Moi, je vous fais plein, plein de gros bisous pailletés. Et on se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!